La seule fois que j'ai travaillé avec, c'est il y a 11 ans. J'avais fait un court-métrage avec, mais on avait une approche différente, là, j'étais jeune. Mais non, je trouve que c'est une façon très... je peux dire que c'est très exigeant quand même, là. La préparation, j'ai beaucoup de trucs à faire. Je pense aussi, mais, genre les permis de conduire, faire comme ça, là, puis que j'avais pas pour la mobylette, genre, puis pour le permis d'apprenti conducteur pour les voitures. Puis il fallait que je m'entraîne, il fallait que j'apprenne des trucs de ratio, des nunchaku, des gosses de même. Ça pisse l'huile, là. L'huile, la pisse en bas, là, il a arrêté de même, là. Je sais pas si c'est pour repartir. Veux-tu ça, là, c'est quoi, là? C'est du gaz, ça? C'est du gaz, tabarnak. C'est du gaz. Ah! Ouais. Faut pas fumer, hein? Fume pas. Ouais, fumez pas, s'il vous plaît. Mais il m'a pas proposé de rôle, du tout. J'ai passé l'audition comme tout le monde, là. J'aurais pu ne pas l'avoir. Mais, ça, quand j'ai reçu le scénario, ça faisait 9 ans qu'il en parlait, de ce film-là. Là. J'avais hâte de lire le scénario. Puis, quand je l'ai lu, j'ai été vraiment impressionné. Je l'ai comme dévoré d'une traite, puis j'étais comme... Je serais millionnaire, là, de passer pour une crise de scène. Comment Christian et Antoine m'en ont passé, les autres. Même Boboul m'a flyé un vin. Ah ouais. Va-tu falloir que je te fasse un blue job? Je suis sorti de là, puis je me rappelle, j'ai appelé mon agent, puis j'ai fait bon, ben, forget it, je l'ai pas, c'est sûr. J'ai passé une audition de atroce. C'est moi, j'ai trouvé que j'avais passé une audition atroce. J'étais sûr que j'avais pas le rôle. J'étais vraiment sûr, tellement que je l'oubliais. Je pensais plus. Puis je travaillais avec Alex Gravel, qui a passé aussi des auditions pour ça. Puis on se reparlait une fois, un moment donné, as-tu des nouvelles? Non. Puis ça a pris longtemps à avoir des nouvelles. Puis moi, j'ai complètement oublié ça. Puis un moment donné, Jean-Marc m'appelle le 25 décembre. Et il me dit... salut, Zach. Je fais quoi? Il fait, ouais. Mon Zachary. Je fais, joyeux Noël. Je fais, qu'est-ce que tu faisais par là? Il dit, ça fait comme un mois et demi, je me retiens pas t'appeler. Il dit, t'as le rôle. Je fais, c'était un beau cadeau de Noël. Là. En fait, Jean-Marc a fait surtout son casting en fonction des personnalités et de ce que chaque personne dégage. Donc chaque personnage, chaque comédien est assez proche de son personnage, tu sais. Puis Zach est bien musical. Il y a une certaine ambiguïté aussi au niveau sexuel que j'ai vécu moi aussi dans ma vie. Parce que je suis pas un gros macho. Il y a beaucoup de gens qui doutaient. Mais... Ne doutez pas. Hein? Pas bien? Ouais, on dirait que t'as déjà vécu ça, coudon. C'est très très bon. Ah, il est très 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 professionnel, Marc-André. Pour les scènes d'amour, là, il est très 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 bon. Très gentleman, ouais. J'ai dit attends aujourd'hui, je pense que c'est tout. Ok.
C'est pas pire. Je viens de battre mon record. Oui, juste A en général. Putain, attends, tu sais. C'est ça quand t'as de la présence, t'as pas besoin de parler, tu sais. La génération du cellulaire. Ah, Paris, appelle-moi période, ça va faire un peu sprint. Tes actions en bourse vont-tu bien? Ça va pas pire. Le futur Robert Bourassa. Non, non, tu vends tout. C'est le fun de travailler et d'exercer sa foi au même moment. Ouais. Ça, faut baisser ça. Comment ça va aller, toi, ton. Ah, ben. La réputation. Ça fait du bien, là. C'est vite comment? Slack. Je vais te péter une règle, Grondin, tu craindras pas à ça. Ça va? Hey Gabriel, viens t'asseoir. Hier, on avait comme un petit mal de gorge qu'on pouvait prendre à cause du vent froid. Puis aujourd'hui, mon lainage me cause des soucis de transpiration assez précis dans des zones assez gênantes. Mais qui me permettent de ne pas incommoder les personnes avec qui je travaille, contrairement à Raymond qui, lui, est plein de bonne volonté, mais il est peut-être un petit peu plus viril que moi, donc le soleil et la chaleur, c'est un peu plus sensible pour nous qui jouons à côté. Je me suis dit, ça nous aide à avoir des éléments clés pour construire nos personnages, puis toute cette ambiance-là, puis on sent toute la détresse du personnage de Pierre-Luc. C'est des tripeux. Des tripeux de moto, des tripeux de dope, d'excès. Du monde d'excès. Des rockers des années 70. C'est pas le cochon? Ça, c'est la scène heavy metal. Au secours. Moi, ça fait un mois là, que je pense là, que j'angoisse. Parce que c'était V. Ouais. Y'a personne qui a envie de vivre ça dans la vie, là. Aujourd'hui, ça va être difficile. Une scène d'amour. Ça doit être pour ça que t'es venu, d'ailleurs. J'arrive. La brassière est laboureuse ici. Ah oui, il y a de la boue. Il y a de la boue, mon gars, là-dedans. C'est gros, je pense pas de même. Bon, tu m'attends, hein? J'essayais de me défaire. Mais c'est pas des mots! Regarde la barre de fesses. Action! Just